On est là pour vous faire vivre un grand moment pour la première fois en France. On a un dead sur incroyable, un line-up exceptionnel. Le Festival Inox a débarqué à Paris. À gauche, il y a Eric Biz, à droite, il y a Dubfire. Et nous, on est là pour vous emmener faire un saut à plus de 70 mètres de haut. Vous croyez qu'on rigole? Et là, je vous promets, c'est Inox Park. On va s'envoyer en l'air. On s'envoie en l'air à l'Inox Park. Et tu veux décollage? On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, salut ma soucoupe. Inox Park, première édition. Samedi 3 juillet 2010, Parc de Chatou, sur l'île des Impressionnistes. Premier rendez-vous avec le Festival Inox, qui débarque à Paris après plus de 8 ans d'existence à Toulouse. Un défi incroyable, relevé par toute une équipe de passionnés pour organiser un vrai festival de musique électronique aux portes de Paris. Des manèges, 12 DJ, 2 scènes simultanées et surtout une ambiance de fête incroyable, et ceci pendant 12 heures. De midi à minuit, le Festival Inox Park va faire voyager plus de 8000 personnes au son des meilleures musiques électroniques. Bienvenue aux amoureux de fêtes gigantesques, de gros délires, de sons électroniques. Bienvenue dans cette première édition de l'Inox Park Festival. Festival Inox Park, c'est l'occasion de réunir dans un même festival deux scènes parallèles. Le meilleur de la house électro avec Sébastien Bennett, Antoine Clamaran, Bob Sinclair, Martin Solveig, Eric Prydz, Joachim Garraud. Et une scène plus alternative avec le meilleur de l'underground. Pop-Off, Jeff Mills, Luciano, Loco Dice, Dubfire et Richie Otis. 12 heures de musique en version non-stop, c'est Inox Park. Très réceptif. Non, c'est bien, en plus c'est en extérieur, en plus c'est deux jours. Pas l'habitude, parce que généralement, si ce n'est le premier rang, je vois pas trop les visages des gens qui sont au fond. Parce que là, c'était vraiment bien, parce que tu communiques différemment avec les gens, tu vois leur sourire, tu vois leur regard et tout, ça fait vraiment plaisir. Nickel, franchement, l'Inox, merci Joachim, merci les Space Invaders. Franchement, première édition l'Inox au top, à refaire. Plus de 10 mois de travail pour mettre en place ce rendez-vous en plein air et quelques jours à lutter contre la pluie et le mauvais temps, nous sommes fiers de présenter au public français une nouvelle façon de venir faire la fête en journée avec les meilleurs DJ mondiaux. Manège, saut à l'élastique, décor gigantesque, public déguisé,
musique en version non-stop de midi à minuit aux portes de Paris. C'est Inox Park. Ça a bougé Paris, franchement, ça fait du bien. Comment était le public? Le public était incroyable. De toute façon, les gens sont venus de toute la France, mais on avait besoin de ce genre d'événement à Paris parce qu'en province ça se passe, pourquoi pas ici, tu vois. Allez, merci mon ami. Voilà, merci. Joachim va faire sauter la solo ce soir. Je crois que ça s'est très très bien passé. Ça partait très très mal ce matin avec la pluie et tout. Et j'avoue que là je suis mouillé, mais pas à cause de la pluie, à cause de la sueur et puis l'émotion. C'était super. J'ai même pleuré un petit peu, mais on ne voit pas trop. Non, c'est super. Franchement, c'est comme dans un rêve. On travaille pendant un an sur un festival et puis le matin on se posait la question de savoir est-ce qu'on va être obligé d'annuler. Et puis ça se finit en apothéose comme ça avec tous les gens en communion avec soi, avec la musique. Ce qui était vraiment exceptionnel aujourd'hui, c'est que tous les gens du public étaient des gens happy. Comment dire, c'est que la foule était vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, j'en bafouille. Et voilà, j'ai beaucoup d'émotions et je remercie tous les gens avec qui on a monté ce projet parce que c'est un travail d'équipe. Et puis je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. On a un an pour monter quelque chose de plus gros, avec plus de manège, peut-être des choses plus délires. En tout cas, j'ai plein d'idées. Donc rendez-vous l'année prochaine avec encore plus de monde. Merci.